Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Austral et Piment TV comme tous les semaines. Et bien aujourd'hui c'est encore la cuisine, mais la cuisine un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui là hein, c'est la saison bichique. Il paraît bichique là, pas mon trop, mais la monter un petit peu juste qu'il faut hein, pour qu'aujourd'hui nous ça fait un carré bichique. Alors nous ça fait un carré bichique avec des gens qui viennent du sud, hein, avec Nadine et avec Loulou, hein, Loulou Visnelda. Tout le monde connaît Azot là-bas dans le sud, hein. Et ben Zola Gaïbichi qui paraît de l'autre côté là-bas. Donc Zot ils descendent ici cet André, mais je ne sais pas s'ils descendent ou bien ils montent, hein. Et tu dis amène nous ça fait un caribichique. Mais comme un caribichique, ils mangent généralement avec un rougaïmang, et ben nous ça fait un rougaïmang menté, hein. Pourquoi un rougaïmang menté? Parce que et ben il paraît que là-bas de monde quand il est en France, bon réunionnais quand il habite en France là-bas, Zola point l'occasion des fois de manger un bon rougaïmang, donc Zot fait un rougaïmang menté. Tu inventes un rougaïmang quoi. Et donc, aujourd'hui, nous recevoir aussi quelqu'un chez nous que tu connais bien. Et même si ça fait 42 ans qu'il y habite en France là-bas, il s'appelle Jean-Paul Volney. Et c'est lui qui chante, connais les histoires, mettre ma salée dans Brad Mouroum là. Hein, et ben c'est lui qui fait ça. Et l'assassin, et ben, concret là, tout bon morceau comme ça, il chante là, là. Et ben, peut-être qu'il va donner un petit tapé sur ce qu'il fait. En tout cas, mais il est sûr que moi-même, ça fait chante à lui aujourd'hui. L'assassin, la mettre sa franc dans Brad Mouroum là. Hein, ça fait chante à lui ça aujourd'hui. Et Lily, ça fait un rougaïmang menté, parce qu'il y a des mois comme ça que là-bas en France, souvent, ils avaient du mal à trouver des mangues. Donc, du coup, eh ben, ils ont été inventés d'autres rougaïmang. Et pour ça, là, ils envoient à moi acheter des. Ah, m'a dit autres tout à l'heure. M'y dis pas autres tout de suite, parce que sinon, on va connaître, hein, hein, c'est quoi le rougaïmang menté, hein. Et nous aurons aussi des surprises, parce que des artistes que l'a vécu longtemps en France, que maintenant, on est ici à l'île de la Réunion pour une retraite bien méritée, nous aurons aussi Jean-Pierre Boyer. Pareil, c'est la famille, ça, là-bas. Jean-Paul Volney, Jean-Pierre Boyer, Johnny Laporte, Serge Dor, enfin, tous ces gens-là, qui a fait partie des Tropiques de Paris. Là-bas à Paris, et ben aujourd'hui nous aura Jean-Paul Volney et puis après nous aura Jean-Pierre Boyer avec la famille Visnelda, Loulou et Nadine qui sera là aussi avec nous. Mais perds pas le temps, mais arrive un petit coup à t'es là à côté Leader Price de Quartier Français là, mais ça rôde ce qu'il faut pour faire le mangmentaire. Et ensuite, m'y monte tout de suite, et ben, il est là, fin arrive là-haut, il y attend à moins, et ben, nous, ça fait une bonne partie de rigolade parce que c'est des gens qui amusent bien, 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 bien. D'ailleurs, tu connais Loulou avec Nadine, et Jean-Paul Volney, c'est quelqu'un, un comique, lui. Ah, lui, c'est un comique, lui, hein. Bon, ça, c'est mon loto qui souffle, il siffle ça parce qu'on a le radar devant, là-bas, t'en fais sur des autres, là. Attends, mais avant, on a un petit peu de rire. Là, voilà, les bien. Mon noir, là, il siffle même encore. Bon, allez, ben, mais arrête, mais ça va un petit côté là, et puis, nous retrouve là-haut pour démarrer l'émission de cuisine. Et écoute, aujourd'hui, ça va être vraiment, vraiment de la rigolade. Comme toutes les semaines, hein, c'est si tu veux la cuisine, c'est vraiment une partie de rigolade sur Canal Austral et sur Piment TV. Et ça, seulement pour le plaisir d'une bonne téléspectateur. Nous remercions les autres, hein, parce que sans autres, nous connaissons pas que ça ne sera, parce que les autres, ils aiment la cuisine, les autres, ils aiment la musique, en tout cas, les autres, ils aiment la fête, les autres, ils aiment vivre. Et c'est comme nous, exactement pareil. Nous aussi, nous aimons tout ça. Et mais arrête de causer. Ils montent tout de suite là-haut, après, nous retrouvent là-haut. Les bons? Ok, allez, à tout de suite. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec le gros caisse? Dis-moi, allez, roi d'une affaire pour gagner. Fais-moi pas de là ou parce que. Non, non, ça c'est la surprise. Ah pour bon? Faire rougaï mang, mang menté. Ah, mang menté. Oui, on a une affaire. Ben là-bas, on a vraiment, hein. Ici, on a mang menté. Oui, mais il habite en France, t'avais pas un mang là-bas. Bonjour, monsieur Volney, comment il est? Ah, où ça fait manque menté aujourd'hui? Ah, ben. Ben là-bas, la fin amène vraiment. Et ah, où fait manque menté? Ma fille, ça avec moi qui rime avec toujours. D'accord. Ah, où pourquoi arriver au fin commence à plaisanter? Il commence bien. Ben, on commence par un poème. D'accord. L'amour est un navire qui jamais ne s'avire. Vos gonfles du temps, nous aimons longtemps. Fille, si tu étais fleur et moi papillon, je passerai mon temps à te chanter une chanson. Mais comme je ne suis qu'un troufillon, je passe ma vie à faire le couillon.
Elle a mettre vagabond, par contre. Mais là, comment ça fait? Mais ça va rendre le teint. Le teint? Oui. D'accord, vous deux, quoi, plutôt... pareil, les autres. Ah bon? Oui. Ben, c'est vrai? Pas ben, Nadine Visnelda. Oui. Visnelda. Oui. Il vit ici, Davis, oui. Océan, oui. Babylone. Vous connaissez les histoires là-haut? Babylone, Babylone, la laissé à Yuri, il vit des vis sous de cerveau. Oui. Hein, et Visnelda. Visnelda. Il vit quoi? Là, il vit ce. Tu sais, pas l'Elda. Après, vous voulez pas l'Elda? Non, Elda. Elle me plaît. Nadine. Oui, comme d'habitude. Nadine Visnelda. Bon, nous, ça va nous épices, nous. Parce que si vous continuez de causer comme ça, la rue, j'ai pas fait que carré. Ok. Vous avez des parties quoi faire? Non, non, moi-même, il fait moi. Ah, vous faites vous-même ou oui? Moi, mon maman râle dessus mon cheveu. D'accord. On n'a pas besoin de coiffeur. C'est tactique, ça. C'est l'histoire de moi, regarde ça là-bas. C'est l'histoire de maman, le train. C'est pas vrai, ah, l'histoire de maman, l'histoire de train, ça. Loulou, soldat, bienvenue. Merci, merci. C'est un bon plaisir. Nous, là, c'est pas d'aller aux autres épices. Après, nous fait nous petit... Non, fait un petit commentaire. Ben, ça va? Ben, allez, bon, allez, allez, allez. Nadine, oui, ça coupe un peu le teint. Un petit peu de teint. Oui. Avec un petit peu, bon, si possible, un petit peu d'oignon vert. D'accord. Ben, ça devient autour de où, prends. Ben hein? Voilà, hein, mais coupe un petit peu. Ok, ok. C'est bon. D'accord. Donc, on amène une petite vanne. Ouais. On y prend un petit peu pour le poulet. Ben oui, prends tout de suite. Voilà, que l'on nous revient. Vous venez à Paris à couper, hein? Non. Voilà. Ça en aura assez là. Un petit peu de persil, je ne connais pas 6 ans, mais pas beaucoup sur moi. Voilà, ça. J'ai un gingembre nana. J'ai un gingembre nana. Et puis, après, ben, Daniel la plante salade aussi, il reste des petits pieds salade. Là. Salade, tu es dur. Donc, dans nos petits paniers, nous avons le thym, PSI, un peu piment. Un peu piment. Après, hein? J'ai un gingembre là-bas, nous ben, avons. J'ai un gingembre nana là-bas, pas la peine que nous prend. Mais bon, voilà. Ok. Mais il fait plaisir parce qu'on en a tous deux là, les. Ah, vraiment, les extraordinaires. Les frais. Ouais, les frais. Nous dit encore merci, monsieur Daniel. Hein, monsieur oui. Daniel, c'est oui, un oui, monsieur Daniel. Ça. Quelque chose, il ne reconnaît plus à moi. Il ne reconnaît plus où la demande que c'est madame, que c'est les jolies madame là. Elle dit, oh, comment c'est les madame là. Bon, en tout cas, nous dans son jardin, nous voilà. Dit vraiment merci parce que ça. C'est aussi grâce à monsieur Daniel que nous pouvons manger des petits produits voilà, frais voilà. De la cour. De bio. Bio. Voilà. Voilà. Ouais. Ok. Ok. Allez, bah, on va commencer la cuisine alors. Ok. Ouais. Allez. Ils sont à côté de moi, grand monde. Tu sens le dé à la fumée. Sont à côté de moi, grand monde, tu sens le dé à la fumée. Sont à côté de moi, grand monde, tu sens le dé à la fumée. Sont à côté de moi, grand monde, tu sens le dé à la fumée. Toi dis-moi, grand monde, tu sens le dé à la fumée. Grand monde, tu sens le dé à la fumée. Grand monde, tu sens le dé à la fumée. Sont à côté de moi, grand monde, sans le dé à la fumée. Mais moi, je suis Pierre Boyer d'arrivée. Allô, oui. On est bien? Oui, ça va bien. Ça fait plaisir, Gatsa. Ça fait la honte. Jean-Pierre, on connaît M. Larouille. Allô, que ça arrive, Soso. Bienvenue dans ma maison. À la vasse. Bon, on appelle Bande de Boulte Gay parmi les croisés, tes croisés français, ma croix. À la vasse. Oh la vasse. Il est lâche. Tu n'as pas changé. À la masse, ma pauvre pistache. Attends, il dit pas pistache, il dit cacahuète l'empire, hein. Nadine. Cacahuète pour créole, non. Moi, c'est Pascal, hein. Alors, aujourd'hui, c'est Bichic, paraît-il. Bichic, Bichic le frais, hein. Oui, on a mettre congelé des jaunes. Après, on a presque fini de nettoyer, allez, là. Ah bon. Mais c'est la saison, hein, là, actuellement, là. Mais pense, là, l'heure actuelle où on parle, là, la ligne, bon, elle est finie. La ligne est bon, finie, là. Fini, hein. La ligne est finie. On va attendre encore deux semaines. Hey, hein. Il paraît que Bichic, maintenant, les rats. Mais ça, commence à un caviar local, ça. Un caviar local. Ah, c'est un caviar local. Il faudrait peut-être que maintenant, il fait comme à Rodrigue, c'est-à-dire que comme la pêche des ourites, là-bas, là, il ferme pendant 2 mois, au moins.
mot comme ça un petit peu plus. Ça. Non, mais si, non, il ne peut pas. Les quasiment impossible parce que d'autant plus que les transforme à l'île. Ah oui, il transforme à l'île. Non, mais justement, donc, il faut laisser il transforme à l'île. Il peut avoir plus. Il peut avoir plus l'année ensuite. Tout en sachant qu'un boucheron, si c'est le nom scientifique, hein, ouais. qu'il fait des œufs pour venir bichic après. Ouais. Un boucheron, il peut pondre au moins une vingtaine de kilos de. Il paraît pas, hein, par rapport à sa taille, mais à la longue, une vingtaine de kilos de bichy. Ah bon? Production, ouais. Ah ouais, et il faut interdire, il faut les pêcher, interdire de monter dans la rivière. Bah oui. Et ça, c'est que c'est quasiment impossible. T'as trop pêché un bichy à Réunion? Il bouge pas à toutes les rivières? Il bouge pas à toutes les rivières, non. En fait, ils utilisent trop produits. Phytosanitaire. Ah, bon, chimique, alors je veux bien, mais chimique, peut-être pas l'homosis. Ah bon? Mais seulement phytosanitaire, genre des herbes, bon, tout ah ça. Bon? Et je fais la malice. Ah, d'accord, hein? Alors. Et donc c'est il faudrait interdire au moins pendant une lune toutes les pêchées de pêcher. Pour avoir la reproduction. Pour reproduire une bonne fois pour tout. Ah oui, pour reproduire. On aura qu'un peu bichique. Non, le bichique, ça ne fait. Il est comme la pierre. Hein? Et en plus, il est endémique à La Réunion, c'est-à-dire qu'il n'a rien La Réunion, n'est pas. Non, pas tout, n'est pas, même dernièrement. Non, dernièrement, on était à Diego. Dernièrement, nous étions à Diego avec Calix, tout ça. On a trouvé sur le marché. La même chose, pareil. Mais simplement, on avait un bruit court qu'elle avait des gens qui étaient morts avec, alors pièce, on n'a pas. Ah ouais. Hein? Mais ici, peut-être que Bichic est contaminé comme les huîtres. Ici. En Oléon, là-bas. Voilà. Mais Bordeaux, là-bas. Maintenant, la gagne quoi? La gagne pétrole, là-bas, là-bas, non? Ouais, ouais. Dans Léon, c'est pas vraiment. Toute Bichic est contaminée, au moins personne n'achète pas Bichic pendant un an. Au moins, comme ça, les rivières seront à nouveau peuplées. Et puis l'année ensuite, vas-y, comme ça, eh ben, là, c'était faux, t'es un poisson d'avril. Non, ben, mais. Pas rien de bichic, pas un poisson d'avril. Sur le principe, on est entièrement d'accord avec vous, mais simplement là. Vous connaissez, maintenant des familles, on a des amis, les pêcheurs, ils attendent rien que ça même pour lui, c'est difficile. Ouais, ouais. Parce que nous-mêmes personnellement, on a grandi là-dedans. Ah bon? Hein? Ouais, ouais. Et là, quand on dit. Si mon papa t'a pêché à Bichy. Voilà. Mais si Misery, quand on dit. Mon papa, sur bateau, là, il est froid, hein? Est-ce qu'il colle le même poisson, bien, à sa question du montagne, hein? 82 ans, ça toujours à la pêche en mer. Nous, oui, Misery, à sa question du montagne, tous les 10 minutes, à peu près. Ah, Caladioli, ça en met attrapé car il a, on peut préparer les épices, hein? Non, la team, elle est d'accord avec lui. Non, mais le CI, ça nous dit, peut-être à un moment donné fermer une lune de bichic, empêche tout le monde, gendarme bord la rivière, empêche tout le monde de pêcher pendant une lune seulement, hein, non, une lune, après l'autre il autorise. Le gendarme là, en fait non, y a parce que si on aura des braconniers, braconniers existent toujours. Braconniers existent toujours. Et là-bas, dans les rivières, on va appeler les autres brigades vertes. Hein? Et les autres guerres à pas suivre. Non, c'est impossible, quasiment impossible. Ouais. Et les autres peuvent venir le soir. Ouais. Maintenant, il vient le pêcher vient le matin. Ouais. Les autres peuvent venir le matin, le pêcher vient le soir. Ouais, ouais. Donc, il fait user le sang à la souris. Ouais. Bon, en tout cas, la pêche n'est pas encore fermée. Le projet n'est pas encore mis en place. Non, après, pendant ce temps, nous mangeons le bichic. Hein? Nous mangeons le bichic. Mais seulement pour revenir le bichic, quand on dit ferme aller pendant une lune, ouais, hein, on appelle ça une lune. Ouais. Mais je pense que ce ne sera pas possible. Ah bon? Et c'est là où nous va. C'est là, pas nous, alors, là va tirer braconnier dans les. Mais s'il continue comme ça, à un moment donné, le bichic sera éradiqué de la Réunion, on n'aura plus du tout. Et qu'on n'aura plus du tout nos petits enfants, comment il va faire pour connaître Noir? Non, mais il pense pas. Non, mais il pense pas que le bichic. Non, il ne connaîtra pas s'il était vrai ou pas vrai. Non, mais il pense pas que le bichic sera éradiqué parce que, en fait, tout est en fonction de l'eau. Hein. Souvenez une rivière, il communique avec la mer, il y a de l'eau tous les jours. Hein. À un moment donné, il faut bien un bichic qui monte dedans. Hein. Tout ça fonctionne, l'eau il coule. Mais il faut de l'eau là, quasiment régulier. Ouais. Hein. Et c'est pour ça, Saint-Louis, par exemple, comme il y a plusieurs pêcheurs, je l'ai en association et il y a plusieurs canaux, ouais. Et j'ai dit bataille pour la force de l'eau. Ah, et tout ça fonctionne, la force de l'eau. Ouais. Contrairement. Plus n'a bichic. Contrairement à ici, que logiquement, il y en a plus. Hein, normalement, ici, il y en a plus parce que de l'eau il coule continuellement et bonne pêcheur, je l'ai. En harmonie entre les autres. Ouais, ouais. Même s'il y a des tirs à les pousser qu'ils ne voient pas. Mais tandis que Saint-Louis peut arriver même au point. Ah bon? Oui, au point. Ah ouais. Et si vous écoutez un vieux monde, dit, bon Dieu, puis il y a d'autres bichiques, mon pied. Parce qu'il bataille trop. Voilà. Ah non, je peux moi, mais les honnêtes envers les autres. Parce que, à l'époque où mon papa était pêcheur, mon tonton, tout ça était pêcheur, ouais. La place, par exemple, là, tu es là, elle avait passé pour mettre bichiques. Ouais. Là, tu es là. À même le sol. Ah bon. T'es pas assez. T'avais bon, voilà. Mais tellement, je l'étais un peu méchant entre les autres.
L'autre TV gagne un petit peu plus, l'autre TV d'affaires. Ben là, je vais mettre des produits non-canal et jusqu'à présent, ils existent toujours. Ben moi, je ne sais pas le nom. Hein. Ben, bon. En tout cas, les espèces, nous allons manger là pour les produits dedans. Hein. Non, non, celle-là, non. Ah, celle-là, 500 hein. poissons, non, non, non. Ouais. Et là, celle-là, il m'en a un bon nettoyage. Et là, tout ça grandit, là, là, ils sont dans le voilà, musical, justement, il faut faire attention. Hein. Ah. Et là, regarde, allez, hein. Et ça, c'est ça la coin sur le dent. Ah ouais. Pas trop agréable. Voilà. Donc, là, nous ça prépare les épices. Prépare les épices. Ouais. Moi, je me redonne encore un bon petit coup de lavage parce que bon, ça, c'est un affaire un peu délicat. Après, nous savons Jean-Paul Volney. Ça a fait Bichika. Voilà, mais quoi, mais il fait qu'il pas manger là-dedans. Si attends, il nettoie. Il nettoie. Voilà, regarde ça, ça le fait tirer. Ah oui, la fine tire toute la pile. C'est un petit crâne, nous aide pas, nous laisse être dedans. Ah, là, ce petit crâne, un petit chevrette. Oui, pareil. Ah, là, dedans, là. Un petit chevrette. Ah, mais bon, c'est la quantité. Voilà. Pareil, pomme de terre, quand même, dans le carré. Voilà, pour gonfler. Pour gonfler. Mais bon, là, moi, ça va, là. Allez, allons. Mais bon, là, ok. Allez. Bah, maintenant, madame Grandbois, sur Grandbois. Le mener madame Grandbois sur le grand bois, hein? Madame Loulou. Madame Loulou. Eh, hey, ben elle appelle où madame Loulou, elle vient? Si, tout sur Saint-Louis, elle appelle madame Loulou. Madame Loulou? Oui. Jamie Nadine. Par rapport à la paix, oui. Ouais. Par rapport à quoi? Ma soeur s'appelle Nadine. L'Empire, où tu connais madame Loulou? Non, mais. Nadine, ma soeur, elle s'appelle Nadine, ma petite soeur. Ah bon, d'accord. Et alors, c'est madame Loulou. Madame, non. Elle s'appelle Nadine, mais son mari nous crée Loulou, donc nous dit madame Loulou. Madame Loulou, hein? D'accord. Voilà. Et Jean-Paul, là-bas aussi. Et moi, je profite pour mettre à mon entrée les deux petites fleurs de mon jardin. Comme nous l'avons dit, je profite pour faire un poème pour vous. Oui. L'amour est un navire qui jamais ne s'avire, vous gonflez du temps, nous aimons longtemps. Fille, si tu étais fleur et moi papillon, je passerais mon temps à te chanter une chanson. Mais comme je ne suis qu'un vagabond, je passe ma vie à faire le couillon. Hé, hé, hey, hey, Jean-Paul, vous avez fait aussi la cuisine? Oui, ben... Parce que là, il paraît que ça fait la cuisine pour nous. Enfin, oui, Madame Loulou, avec Loulou, ça fait le curry bichik. Oui. Hein? Mais quand, avec curry bichik, il mange quoi? Il mange un rougail. Il y a un rougail. Ben, là, il mange. Oui, il a le rougail. Il mange parce que là, c'est la saison, là, pour dormir. Oui. La mienne arrive ici, la Réunion, il mange pour dormir. Mais en France, 12 sort, il ne trouve pas mangue. Donc, ça fait un rougail mangue menteur. Ah bon? Oui, et je vais voir, ça allait me présenter. Oui, voilà. Non, c'est pas encore. Allez, Nadine. Jean-Pierre, comment ça? Non, il dit pas, Nadine. Jean-Pierre, a dit. Mais bon, Mathias, Jean-Paul, allez, tiens, Zot, alors. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Avec ça, il fait Rougaïmon en France. Pomme verte, bien verte, il faut l'idée presque avec même. Après, moyen batteur. Ouais. Donc, il bat. Depuis 15 ans, il bat. Donc, il bat à lui. Ouais. Quand on finit, Mang a commencé, quand il a 14-15 ans, il a dit ah, Mang, allez. On peut mettre un mixeur, Jean-Paul. Non, Jean-Pierre, là où, mixeur? Non, Jean-Pierre, il n'y a pas de tradition. Attention, Mang Mancé, elle est plus fragile que le Mang dans le noyau. Il ne faut pas couper la main, donc on a un. Vous battez avec délicatesse. Il y a une façon de battre, là, elle est très délicate. Donc, surtout pas moulin. Pas moulin. Je dis, bon, là, vieux grand monté, qui n'avait pas dit secret. À moi, on a le secret. On a le secret. Elle est bon, alors, ok. On a le secret. On a le secret pour battre. Bon, alors, Jean-Pierre. Ça mange à midi, alors, à midi, nous le. Oui, on aime, ça mange. Au gaillement. Et ça, toute la réunion, après, plus tard, ça fait comme nous. Mais ça fait au gaillement. Mais le jeune n'aura plus monde, c'est ça? Ça aura pas mangue en hors saison. Parce que ici maintenant là, hein, la saison mangue, c'est presque tout le temps. Bien, on a vraiment encore des saisons. Mais quand avec Nadine, parce que Nadine y connaît tout le temps. Hein, oui. On a des fois où la poêle trop mangue. Mangue verte. Oui, jusqu'à mois de janvier, il y a mangue. Ah bon? Oui. Après, on reprend les vies. Mais en attendant là, moi j'ai vu un caribicycle là-bas et dans le caribicycle là, ben je bouge avec zot zébu là. Moi j'ai vu un caribicycle et dans le caribicycle, vous connaissez comment ils mettent? Ça fait. Ben Nadine prépare son petit panier et dans son caribicycle, eh ben ils mettent des oignons, des trois gousses l'ail, quatre petites tomates,
un morceau gingembre. Ils mettent tout ça, Nadine? Tout ça, oui. Oui. Avec un petit peu de piment pour arranger un peu la bouche, parce qu'un curry bichique sans piment, on est un peu fade. Voilà le petit panier pour le bichique. Il mange du piment depuis 50 ans. Depuis 50 ans, mange du piment. Parce que... Non, plus que ça. Puisque ça, parce que, moi, on a 63 ans. Mais dis, ben, normalement, comment se mange le piment, là, 10 ans comme ça. Disons que depuis 53 ans, il mange le piment. Moi, il est dedans. Parce que peut-être avant maman, il m'a appelé. Il a un peu l'ail, gingembre, pour comment se piler. Et Nadine, il coupe tomate. Et Roman, il a fait une coupe d'oignon. Roman, il a fait une coupe d'oignon? Et Roman, il s'appelle toujours mon aussi. Il a dit, il dit plus je mange. Les bons. Et Jean-Paul Volney, il a dit comme ça, il fait mangue menté là. Nous savoir, parce que c'est lui qui fait mangue menté. Il s'abat son mangue menté là. Il est batté. Mais j'ai jamais vu, il fait ça. Mais en France, côté là-bas, combien d'années va vivre en France? T'es 40 ans, mais tu connais pas ça. 40 ans, mais on me manque tout le temps alors? Non, tu manques pas du tout. Sauf que comme tu es en vacances, mais tu achètes, mais tu amènes. Mais tu battes le congélateur. Mais Jean-Paul, il a inventé, c'est un inventeur, ça, c'est sa recette, ça. Les bons. Recette alors. Jean-Paul Volney. D'accord. Bon, Jean-Paul, nous laisse, ça vous prépare votre mangue menté, alors, hein. Mais ça attaque mon mangue menté. Les bons, okay. Ben là, ça reçoit un flamand, mais ça reçoit un peu d'épices. Ben là, le feu est bon, hein? Moi, l'hymne de feu, ils ont dit, mais que ne pas encore, tu n'es pas là, tu es en retard, je sais pas quoi. Ils ont dit, mais là, ils ont dit, caf l'hymne de feu. Mais les bons, ils prennent. Comme quoi, caf aussi, il y a l'hymne de feu, comme là. Oui, mais dis pas trop ça, t'as l'air quelqu'un par là-bas, c'est moi qui mets de feu dans le canne, mais là, pas de feu. Le batteur de... On l'a mis batte la peau. Oui, mais il batte la peau parce que... après, il y en a un côté d'Eric. La peau, le pomme, là, il draine un peu les intestins. Hein. Il faut calculer aussi la suite du bienfait alimentaire qu'on a dans l'organisme, dans le métabolisme, dans le fantasisme. Mais c'est comique. Batteur de pomme. Ah ben oui, mais lui est batteur d'origine, hein. Ah oui, il y a... On n'a jamais vu ça. Le dernier coup, on a fait batterie. Là, toute la Réunion, ça fait comme ça. Même Madagascar, même Maurice. On a tous copié chez toi. Ou gagne pomme verte. Eh, mais il n'est pas sucré après, comment on fait? On met du nègre dedans? Après là, où piment, il dirige son barème. Parce que le rougaille, dans le salade papaye, qu'on fait salade papaye, il fait salade mangue là. Ouais. Papaye un petit peu doux, le mangue, qu'on fait salade de fruits avec piment. Mais piment, il y a ramène toutes les. Il y a mettre tout correct. Même si un petit peu doux. Il y a un petit peu doux, parce que nous goûtons. On va goûter un petit bout de là. Au fait, Jean-Paul. Le sel, le piment, tout il vient à bout. Jean-Paul. Une question à Jean-Paul. Dis-moi, les pommes là, tu as ramené de métropole ou viens ici ça? C'est pommes de France, pas moi l'amener. Les pommes de France, mais c'est pour l'amener, hein. Les pommes. Comme avec la mondialisation aussi, ben vous trouvez de tout. Jean-Paul, vous coûtez pas même ce petit là. Vous coûtez pas, tu veux dire là. Mais comme si on a une baguette là, tu veux dire comment pas de jazz avec. Attends, ma fait une affaire. Là, il boit, si moi, il boit, je ne peux pas en boire. C'est bon. Eh, hey, vous faites ça avec une baguette collée sous le bateau. Ben oui. Ah, mais c'est pour ça les gars. C'est pour ça les gars, il fait. Ouais. Ça y est, un coup là. Ah, aussi, ça y est. Ça y est, un coup là. Ah, là, il est bien d'affaire, là, il est bien. Ça va avec ses oignons. Normalement, on met ses oignons dans l'huile, les chouilles. Hein. Voilà. Normalement, c'est bon pour moi, c'est ça, hein. Ouais. Ben. Mais généralement, qui c'est fait qui arrive chic là-bas? C'est où? Ah, moi, non, c'est elle qui fait, mais c'est moi là. Mais il y a elle d'ailleurs qui avance au bois. Nadine, nous entendu ça? Attends, la dire comme ça, non, mon curry bichique, c'est où qui fait? Oui. Hein, mais c'est moi, il va y aller où d'ailleurs? Jean-Claude, que les chaque fois, il fait un curry trop bon, ben il dit à ma avec elle, ma maman, ben c'est moi, il monte à lui faire ça. C'est moi, hein? Ben il dit, ben oui, Pascal, c'est lui, il monte à m'en faire ça. Ben non, il a pris ça, à faire curry bichique, n'importe quoi, comme on a dit dernièrement. Ben c'est nous, maman, à montrer, mais lui, il montre à moi un petit plus. Ah bon? Un petit il plus. Il rajoute son grain de zèle. Voilà, ouais, dit, moi, voilà, c'est ça. Voilà, alors. Okay. Mais que les quand c'est lui, à moi, tout ça, les pareils. C'est pareil. Voilà. Là, c'est quoi ça? C'est un homme là, il n'y a que plus mes oreilles.
C'est quoi piment aux oreilles là? Ben piment blanc, on l'a planté de quoi là? Ah, piment blanc, paye ça piment aux oreilles ou alors? Ben il est blanc. Ah bon? Tu as fait, ouais, des rangines d'oreilles nous. Ah bon? Pas dehors. Ouais. Ben nous laisse, je vais aller on l'a rongé un petit peu. Ouais, ouais. Après nous va rajouter son tomate. Enfin, le tomate, ça fait bien descendre. Il va mettre le bichet. Les bons. Normalement, quand il y a le bichet de Monique, il couvre ma mythe. Il ne faut jamais couvrir. Ouais, mais dis pas jamais, mais il ne faut pas couvrir. Il ne faut pas couvrir. Il ne faut pas couvrir. Il faut laisser lui évaporer. Laisse lui évaporer. Et après, quand le bichet croûte dessous, là, je veux dire qu'il est. Parce qu'un beau carré bichet, il faut lui manger, il est sec. Il ne faut plus de l'eau du tout dedans. Hein. Voilà. Mais pas en bouillon. Hein. Pas en bouillon. Pas en bouillon. Hein. Pareil pour le guêpe. Le guêpe aussi, pareil. Il ne faut pas mettre de l'eau, tout ça. Hein. Ben. Après, il y en a, il y a ajoute, là. Chacun y ajoute son petit façon pour faire. Hein. Ouais, ouais. Ben. Voilà. Par contre, on est arrivé là, nous sommes arrivés là, mon camarade, et je ne sais pas nommer le nom, parce que par respect. Hein. Quand nous vieillis bien, nous vieillis à quand, on aurait pu vieillir à quand, si le joueur me vieillit à quand, il retire moi dans mon taille. Simplement, il ne faut pas emmerder mon prochain. Vieillir comment on dit? Vieillir à craint, à quand. À craint, ça commence pour la colère, pour rien. Non, mais Jean-Paul. Excuse-moi. Dès quand le 55-60 ans arrive là, où il y en a des vieillissements, il appelle vieillir en couillon. Ah, ouais, ouais, vieillit comme ça, la bonne de mon âge. Vieillit mal. Hein. Ben oui, pour un nom, il râle. Après, on a d'autres, on a des vieillissements prématurés. Oui. Et il vieillit avant l'âge. Il y en a un des, il ne sera pas. Suivez mon regard, l'un des, tout le temps, il a 20 ans. Allez, pas Jean-Pierre. Jean-Paul, n'acceptez pas, moi je connais. Avant, donne un exemple simple, Jean-Pierre. Mais c'est pour avant, non, mais avait une époque. Fier. Avait une époque, moi t'ai mettre colorant dans le sauvé. Mon sauvé t'es reste noir, comment blanchi, comme là, il reste nature. Et c'est ça le poivre sel qui attire. Ouais. Hey, Jean-Paul, 42 ans en France, vous pensez revenir à La Réunion bientôt? Ben, normalement, dans le... parce que dans le côté voyage, aller à gauche, tout ça là, j'aime ça. Et puis, pendant 5-6 ans, genoux commence à flécher là, ma assise et tampon ben, dans mon cas, là-bas, ma restante. Après un samedi, on reprend l'avion. Donc, 42 plus 6, après 48 ans en France, alors. Hein? Là, il faut avant 2016, il faut venir à Cuba. Cuba. C'est un virel de retraité à l'Cuba, bien sûr, sur la place de Cuba. Ah bon, et puis, regardez, madame, vous faites trousse la cigare sur la cuisse, le madame. Écoutez, moi, la voix en tombe. Non, mais c'est une tradition de Cuba. Ah oui, madame, vous connaissez que les cigares, Jean-Pierre connaît ça, les cigares de Cuba, les meilleurs, c'est celle qui est troussée sur la jambe des femmes. Oui, ah oui, mais trousse. Bah, mais fais-le, moi. Ah, vous fais-le, vous allez me dire, Pali, allez, trousse le. Le cigare, les feuilles de cigare. Le feuille de cigare est roulé sur la jambe des femmes. Oui. C'est les meilleurs. Ah, mais le tabac n'est pas bon pour le vocal. Ah, oui, mais après, tout. Nous avons le droit à tout dans la vie avec modération. Voilà, avec modération, bien entendu. Nous avons affaire dans la nature, elle est là, liée là. Nous prenons un lit, mais simplement. L'air, trop l'air, il touffe à haut. Trop de feu, il brûle à haut. Trop de l'eau, il noie à haut. Donc, faut pas abuser dans la vie. Roman, notamment, là, conseille tonton. Toutes affaires, les bons et toutes affaires peuvent être dangereuses. On a besoin de l'air pour respirer. Ouais. Faut prendre la quantité qu'on a besoin. Voilà, on a besoin de l'eau pour baigner, nous prenons la quantité qu'on a besoin. On a besoin de feu, faut qu'il mange là-bas. Mais si vous mettez trop de feu, il brûle à haut. Si vous tombez dans trop de l'eau, il noie à haut. Et si vous respirez trop l'air d'un coup, tout fait. Non, tout le monde pareil. Hein? Trop l'air de quoi? Trop l'air d'un coup, tout fait un monde. Ou là, vous trop l'air dans tout le nez. Donc, bon. Regardez. On va prendre en plus, chaque loi dit moi, trop l'air d'un coup, tout fait. Je veux dire, si le fils trop dit à haut, tout fait. Bon, pas compris. Ah ouh là. Bon, mais si, vous en avez fait ou là? Je vais mettre une petite là-dedans parce que là, il commence trop. Là, les bouilles alors. Ah oui, là, il commence aussi là. Trop rougi. Tomate avec un bon pétomate. Voilà. Je vais nous mettre mon pétomate. Je vais vous mettre pas mon pétomate. Mettez pas mon pétomate. Non, non. Pas rien qui arrive là, il met pas mon pétomate. Les bon là. Non, ok. Mais à cause de marche à coup de pilon, on a dit non, ça c'est un petit restaurant. Bon, mal bas, il n'y a pas de rien, ça. Jette pas rien, ça. D'accord. Voilà. Bon.
Papa doit vivre avec le tomate fin fond. La fin fond, là. Il y a fin fond. Quoi? Tiens, mon père, carré chevaquine, c'est pareil. Ouais. Là, il fait ça. Eh, il dit pas carré chevaquine, il dit carré krill. Krill? Oui, krill. Mais là où il y a le bichic dedans? Le bichic dedans. Ouais. Voilà. Hein? Il tourne un petit peu là. Là, il est encore bon. Ouais. On a mis là, ça y est. Et n'a pas de regarde, nous là, là, on a envie de manger caribichic parce que. Mais moi, j'ai longtemps, moi, j'ai envie de manger caribichic. Mais ça me demande là, comme moi, la mère, tu connais Saint-Louis là-bas. Ouais. Et la mère passe midi, la mère dit bonne Saint-Louis, tout le temps, il était appelé à moi là. Hein. Donc là, il faut bien Saint-Louis parce qu'il y a plein de monde des autres. Mais hein. Les bons là, on a ni Saint-Louis alors. Et là, et puis, il me lance un petit bonjour à mon camarade, j'aurais dit pas gagné. Hein. Je ne sais pas son nom. Hein. Hein. Et puis, ben, il n'y a pas gagné, j'aurais dit un petit. Mais bon. Le faire, le faire. Hein. Moi aussi, tu es là, tu es meilleur parce que mes crois-bichic m'auraient pris aussi. Hein. Ah, vous avez raison, alors, ok, alors. Hein. Bon, ben super, alors. Là, après, là, où tourne Pierre, où ça l'a dit comme ça, là, alors. Bon, là, on a un peu, ça commence trop coûter, rajoute un petit peu de l'eau. Ça, c'est quoi, ça? Ça, on les met là, la prière poulet. Vous savez, un petit rôti. Un petit rôti, voilà. Comme un petit. Ou de moune, il mange pas bichic. Voilà. Et de non, quand moune, il mange pas bichic. Si, à moi. Il mange pas bichic. Non, mais devant. Oh man, on mange bichic ou? C'est... Bah, on mange bichic, Zot, hein? Tu as oublié ce Jean-Pierre Boyer. Ah, ça, tu manges bichic, Zot. Mon premier bichic. Ça, tu manges bichic. Ah, tu m'adores ça. Okay, et c'est caviar et caviar à la Réunion. Mais donne-nous trois, hein? Mon, il mange pas bichic, comme moi, comme ça, donne sa part à un autre. Mais là, tout le monde mange bichic. Jean-Paul mange pas bichic ou non? Bichic, bichic. Ben, bichic, bichic. Jamais. Mon, il dit, ah oui, m'a entendu, un femme. Un coup, il a dit, il ment pas bichic. En France, on s'en dit un femme. Il y a beaucoup de monde. Le femme l'a dit, il ment pas bichic. Quand il garde les assiettes. Et quand il garde ses assiettes, on a le bichic. Les petits gars, il trouve qu'il fait trop pitié. Jean-Paul, la prochaine fois, tu vas aller. Mais bon, laisse pour nous. Mais dis, mais laisse-moi. Ma prends le sien. Prends le sien. Ma dit, elle fait frites un zèf pour maman. Maman, son bichic. Non, mais c'est encore une blague de dire ça. Il mange bichic, le madame. Et madame, là, elle mange quoi? Un œuf. Mais il y a mon deuxième. Jean-Paul, je signale que mon moment est gagné télé. Merci, Dominique. La bonne affaire, c'est avec l'improvisation, t'es là. Excusez-moi, monsieur. Comme dit bon, ça veut dire d'un bon esprit parmi nous. Ah bon, on a un bon esprit. Le bon cuisinier, nous tout est là. Ah bon, il arrive depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. J'ai fait une poussette. Jean-Pierre, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ah non, comme non. Ça ou parce que. Pardon, moi, m'égoutte, moi, mais le jury, quoi. Parce que oui. L'aspect cuit, comme on dit. Ben, allez, mais non, là, il arrive là comme monsieur Fatefouani. Monsieur Fatefouani. Mais là, où tu connais l'aspect cuit, mais non, connais Fatefouani. Fatefouani, là. Fatefouani, il appelle ça, je mange clé en main. Ah, je mange clé en main. Non, elle m'a dit ça, maman. Moi, avant, m'a dit, maintenant, la clé en main, mais là, maintenant, elle a aussi le clé en main, il y a tant de cuit. Oui, oui, après non, mais il me dit ça, mais simplement, il garde le loup là. C'est son caribici qui nous a apprécié. Ah, oui. Moi aussi, moi, un clé en main. Nous, ah, comme, à part mon petit regard, il manque menteur. On n'a pas fait grand chose, comme il garde le maestro là-bas. Non, apprécié. Moi, il y a un jour, il y a un viens, Oudalon, il est là de Paris. Il me dit, Oudalon, c'est un grand camarade depuis 40 ans qu'on est à nous. Il me dit, mais viens-moi, tu vois. C'est pour ça que m'a animé au travail, parce qu'il m'a fait à manger. Ben oui, ça c'est manger. Ça c'est manger qu'il fait dans les associations réunionnaises de Paris, comme la pointe mangue. Là, eh ben, ça rôle des pommes vertes pour faire au gaillement. Et par contre, on a piment, on a tous des ingrédients. Mais à Paris, comment ça fait un gaillement? La pointe au gaillement. Vous êtes pas en pommes vertes même. C'est vrai, c'est vraiment là. En plus, là, finalement, il arrive au bout. La dernière, là, on invente un loyau. Un loyau si, pour certains, les auditeurs n'ont pas vu, n'ont jamais vu le loyau pomme. Ah là, un loyau pomme. Bon, Nadine, la prochaine fois, on va y faire alors. Ah oui, ça va. Mais sinon, nous demandons. Non, mais attends, mais Jean-Claude, mais moi, en train de dire ça, Agnella, on a un frère à la Ravine des Cafres. Lui travaille, il travaille, c'est dur. Quand il arrive, il pointe à lui devant le canal Austral. Il analyse tout. Il s'avoue, ça, c'est mon amour là. Il appelle Baptiste. Alors, on a fait un gros coucou à Baptiste. Parce que Baptiste, il aime bien regarder toutes les recettes qu'il fait. Après, Baptiste fait pareil. Donc, là, quand il s'avoue, le membre là. Ça dit. Alors, Baptiste, connais quoi la prochaine fois là?
Viens, fais cuire un carré avec nous. Mais bon, alors. Les canards, alors. Les canards, les mais écoute, Jean-Paul, ouvrons-nous de droits d'auteur là. Ou, ah oui, on doit récupérer des droits d'auteur là-dessus, non? Fin de déposer ça. Là, c'est une affaire comme ça où dépose, ben là, il prend sans demander ça. Là, il tombe dans le droit commun, ça, non? Parce que oui, il a fait mettre au droit. Au droit public. Oui, mettre au droit public, parce qu'il fait plaisir à la bouche créole. Les bons. Voilà, moi, il n'est pas à faire, moi. On n'est pas regardant. Pas regardant. Ben, des actes, quand on réfléchit, histoire. Et caribisique sans bicycle aussi, bon. Bah oui! Il y en a bon, on les assiettes comme ça, mais. Chic pauvre! Bien sûr, vous connaissez ça, souvent, là? Les par hasard que la cuisine l'a inventé, hein. Il y en a un gâteau qu'il appelle la bêtise de Cambrai, je sais pas quoi. Ben parce que le cuisinier a fait une bêtise et c'est devenu un joli gâteau. Ouais, ouais. Mais le plus connu, c'est la tarte tatin, des sœurs tatin. Il y a renversé sa tarte. Ouais. Hein, et donc, il y a sa tarte quand même renversée. Ouais, ben, et donc, on appelle ça tarte tatin. Hein, oui. Donc, le plus connu. Mais sinon, toute la cuisine a été faite sur des quiproquos un peu inattendus. Ben oui, voilà, c'est dans le. La scène nous prend le temps en tant que retraité de faire nous tes affaires. Vous êtes dès les retraités, t'es quand même. Il n'est pas salissant même, mais c'est un bon cuisinier aussi. Je ne vais pas salir moi-même, simplement pour montrer même aux auditeurs comment il fait. Ouais. Voilà, nous mettre le paquet. Ouais. Mais là-bas, à Paris, j'ai fini de connaître. Par exemple, ici, il fait au gars saucisse. Où ça fait saucisse, le même saucisse. Mais là-bas, il fait au gars saucisse pour la tarte. Ah bon? C'est Toulouse. Ah ouais? Non, en France, on ne trouve pas saucisse au gars pour la tarte. Après, là, on ne trouve pas oreilles cochon, ça là, bonne affaire comme ça. C'est difficile pour. Vous savez, il mange à la place oreilles cochon. La pâte. Il sans souris. Non, hein, il fait pied de porc. parle pas trop pied de porc. Ouais. À Bordeaux, en 81, avec quelqu'un est décédé, que tu connais, Jean-Paul, il est décédé. Oui. Ça ne m'a pas en paix. Nous partis d'un carrefour pour avoir de pied de porc pour faire ma salée de demoiselle. Oui. Tout le monde était passé avant nous, là. J'ai dit deux pieds de porc pour monter tout, s'il vous plaît. Ah bon? Donc tu passes deux pieds de porc pour mon toutou, s'il vous plaît. Qu'on arrive, nous tourner deux pieds de porc pour notre toutou et voilà pour nous. Pourquoi? Bah là-bas, ils donnent pied de cochon pour le toutou. Ah oui? Ah oui? Ah bon? Ah non, c'est bon. À nous, on mange, mais bah non. Ah bon alors? Non, mais tout le monde est devant, deux pieds de porc pour son toutou. On n'a pas ça comme ça, comme vous les chiens, allez voir. D'accord. Allez, comment? On pense à nous. Oui, les vrais, ça, comment? Les communs, ma maïté, ça c'est une histoire, notre histoire, ils donnent Zamal coq. Hein? Ça donne fait bataille coq, tu vas à bail. Ils sortent là-bas, ils disent, donnez un peu pour mon coq. Après, nous, ils suffisent de boire, ils ne connaissent pas quoi pour faire. Hein? Nous, ils suffisent de boire, ils font. T'es dit, non, coq. Et jusqu'à l'heure, on a écrit, tu crois? Jean-Paul, mais tout ça blague, vous sortez, nous, on demande son. Jean-Paul, on demande son, qui demande ça va, cranco là, ça prend dans le brin de morum, tout ça là. Vous sortez après, bonne blague comme ça là. Ben oui, mais là. On a des affaires qui viennent, mais quand on est en France, ça va après. Dans la forêt, on imagine toutes les affaires de là, nous, réunions aujourd'hui là, ouais. Et ça il revient dans la tête et puis après ça, il vient, par coup il peut prendre des mois et par coup il peut prendre des instants, on fait le sens en complet. L'inspiration est directe. Et si vous la sortez avec un feuille papier, Jean-Pierre connaît la composition, vous dites mais ça composé, vous ne composez pas rien. Ouais. C'est quand on arrive tout de suite dans le train, on prend portable, combien on a portable avant magnétophone, après à un moment donné, ça écrit. Même temps Mozart, Beethoven, ça, on a écrit des notes de musique, ça là. Oui. Mais comme là, on a le outil qu'il faut. Ouais. On a le portable, la clé USB, l'ordinateur, la prise de face. Ou appelle un camarade et puis vous dites, enregistrement message. Ouais. Vous dites, elle décroche pas, ma fille compose des chansons comme ça. Ah bon? Je téléphone mon pianiste, je dis, je envoie un message, décroche pas téléphone. Et au lieu de laisser un message, je sens la mélodie. Comment on connaît les stockés? Après, je connais les stockés chez lui, il vient à son cas, il dit, rends-moi ça.
Ah ouais, ouais, ouais. Et Jean-Pierre, qu'on l'a fait le morceau pistache pour les oreilles, cacahuète pour les oreilles, pistache pour créole là. Ouais, pistache. Hein. Alors, ou ça, t'es à Réunion ou t'es en France? Mais j'étais ici en vacances en congé bonifié et sur la plage. Maman, il s'appelle Jo. La plage de. Pardon, Boucanote, Roche-Noir, tout ça. Et puis, oui. Tu vois, il me donnait un petit connu gratuit. Après, il me dit, t'es, quand ça fait un morceau sur moi, Jean-Pierre, quand ça fait un morceau sur moi. T'es, il me dit, mais il m'a fait un jour, il revient trois ans. Après, il me dit, t'es, il n'a pas fait un morceau sur moi. T'es, après, il m'a fait la chanson. Après, mais m'a bien mat. Regarde Ali un petit peu, quand il fait. C'est pour ça qu'il travaille, c'est tout le monde, c'est le même étage. Mais après, dans le clip, il m'a. Il m'appelle Ali pour venir faire le clip, il était d'accord. Ouais. Les figures dans le clip, j'ai joué avec son. Il y a un petit mis de sa casquette, peut-être pas. Ah. Mais ça, c'est une histoire. Vous voyez, parce qu'il te dit ça sur la plage. Il te dit qu'il y a comme être pour touristes et puis statue créole. Ah ouais. Ben, après, la fois pour moi, il me dit au téléphone, il a raison, parce que les oreilles, il a écouté pas que c'est lui d'aller pistache. Ah ouais. Ah, cacahuète, jouez une cacahuète, s'il te plaît. Alors, après, Bouguette, il dit ça sur la plage. Cacahuète, pistache. Après, ça m'a rappelé, il dit, mec, elle m'a fait. Paris, là-bas, m'a fait la chanson. Ah, d'accord. Alors, bonne année, pas la moelle à Jean-Pierre. Mamie, t'es chaud par ici? Oui. C'est quoi ça? Le roussissage. Vous avez vu le roussissage? Vous avez pas fait mon regagement ou pas gagné gardé? Ça, comme notre camarade de Sarkouyaz. Là, Sarkouyaz, là? Sarkouyaz, tu manges, allez. Et là, nous laisse sec. Et regarde, donc il y a fait de l'eau dedans. Et voilà, nous laisse sec. Laisse aller bien sec. Et le dire déjà, Jean-Pierre, on sent le dire. Le dire, mon Dieu. Attends, on va y aller. Regarde ça. Pas la passer à l'émission. Je demande à nous si un autre téléspectateur nous sent le dire. T'es un bon carré. Mais dans la caméra là, il sent le dire ça. Le dire, on demande. Tu peux en approcher un petit peu. Viens. Un petit peu. Voilà, Mi-préviens tout le monde. Hein. Parce qu'il m'en a grand tout de nez, il prend bien le dehors. Hein. Alors, voilà, éloigné de la marmite, mais j'en bon vraiment. Mon trou de nez a détecté. Le trou de nez a détecté. Voilà, et ça coule un petit peu là. Hein. Voilà. Nadine, marmite est chaud là. Le tomate de la fonte dedans. Hein. Ok, et allez, bon. Nadine fait frire le poulet. Allez, voilà, bon, voilà. Un rôti poulet. Hein. Un poulet frit. Un poulet frit. Non mais déjà là, la façon est là, l'esprit est cuit maintenant. Là où l'esprit est cuit? L'esprit est cuit. D'accord. Voilà. Nadine, là où pèse le mangue? Voilà, là où pèse le mangue, comme ça. Tiens, un peu de... quand même, quand on fait le battement comme ça, on a un peu de l'eau dedans. Ouais. Ben, il fait que après quand on mange, ben, les... regarde, quoi? Ouais. Nanamoun, il prend un torchon. Il prend un torchon. Il pèse sa lie avec. Mais là, après, m'avait paraissé de prendre un torchon. Il pèse sa lie à la main comme ça. Voilà, il fait à la main. Petit mangue. Madame, mes amis, fait ça, moi. Celle-là, les mangues, les pas pommes. Hein? Non, ça, c'est le mangue. Parce que pour rougir un petit peu. Voilà, mettre un petit peu d'eau. Oui. Pour pas qu'il brûle et en tout cas il rougit en même temps. D'accord. Voilà, et en même temps, la viande cuit ensemble. Ok. Voilà. Du siam. Ah, le siam. On met un petit peu. Un petit peu dedans. Parce que c'est pas dans l'eau mélangée. On ne fait pas le truc de chinois, non. Oui, oui. C'est comme un genre de rôti, mais quand même un petit peu de siam pour. D'accord. Pour rougir et puis pour gagner un petit peu le goût. C'est bon. Voilà. Ok. Okay. Mais c'est que c'est bon là, voilà. Les côtés. Hein? Regarde. Ah oui. Hein? Voilà. Ah oui. C'est bon. Sent bon. Alors, on met Ali à côté alors. C'est ça. On met là-dessus, là. Ou ça, tu les. Voilà. Voilà. Bichette est prêt. Bichette est prêt. Voilà, je mets le sel. Avec. Ouais.
Là, la dent, on a le thym, l'ail. Non, l'ail, il faut pas mettre. L'ail, poivre, un bout de pain. Voilà. C'est comme un grand sirocchi. Ouais. Et là, on rose avec un petit peu de l'eau. Voilà, pour nous ouvrir ensemble. Ok. Ok, parce que la viande n'est pas cuite. Oui. Voilà. Et là, on va aller la saliver. Et là, on va mettre notre poulet, 2-3 feuilles de persil. Voilà. D'accord. Juste pour gagner un peu de plus. Ok. Voilà. Et le petit rôti est prêt. Enfin, poulet frites rôti. Poulet rôti. Voilà. Hein? Ah ben super bon. Ça. Les vite fait, rapide. Voilà. Et un instant, bien rose. Ok. Ça est bon. Ok. Nous peut enlever. Nous peut enlever. D'accord. Ok. Ma fille vue bonhomme, ma fille vue femme, femme et bonhomme, il fait déclaration. Hein. Là-bas, Jean-Pierre peut dire volné, dit mien maou. Attends, Jean-Pierre mien maou. Jean-Paul mien maou. L'amour est un navire qui j'ai appelé. 40 ans, je connais plus le micro. Et puis là, quand les vivants vous disent hier, voilà, la fille mort, les trop tard. Ça va, mon petit mort. Ouais, voilà, ben. N'attends pas que je fasse mes yeux pour dire. Voilà, c'est ça, Jean-Pierre. C'est bien quand il est vivant. Voilà. Mais ça, c'est un grand camarade, ça. Hein. Oui, c'était les années 70, 73, on s'est vus à Paris. Rennes, 14e. Non, mais même Jean-Paul, c'est bien connu, à 20 ans, quand c'est sur 33 ans. Ah ouais, l'orchestre me disait, bœuf, nous chantait un petit peu de temps en temps avec ses jeunes de ça. Ah ouais. Non, mais les vieux d'Alon, à Thionville, Montmère, Montreuil, à Paris, 14 ans. Mais là, ça fait son manque menté, Aya. Mais il faut un beau cadeau aujourd'hui. Pourquoi? D'inviter, Jean-Paul était là, il savait pas comment il avait. Ah, ben oui, il va, c'était une surprise. Ah, c'était une surprise. Jean-Paul, le foot manque menté alors, hein? Ça manque bien, tu sais. On dirait Tijac, mais appelez-moi, attention. Tijac, alors, quoi est l'âme de là, dans le manque menté alors? C'est le vinaigre que vous avez besoin. C'est le vinaigre, d'accord. Hein? Vinaigre, hein? Le vinaigre? Oui. Alors, il prend le. Ou prend. Là, il prend un cuillère, là pour la dose, un cuillère et demi de l'huile. Ouais. C'est quoi ce silence là, quand il fait son manque mondial, il y a un silence autour, alors on peut pas que savoir. Jean-Paul, ça peut inventer son sentier là. Ben après, là, après, ça c'est la recette. Comme dit Banda, on a un grand monde que tu as quand tu t'adras, viendra. Voilà, elle est déjà ouverte. Bientôt les plus loin. Après, un demi-cuillère, par contre, vinaigre, l'obligé de mettre. Parce que le tavis là, c'était mangue menthère. Oui. Donc le mangue menthère, il est un petit peu doux. Oui. Donc pour battre son douceur, vous mettez ce soupçon de vinaigre et de sel là. On dirait qu'un pas bon, mais un petit peu. Par contre, une cuillère à soupe parce que. Ça toute vie. Ouais. Mais, là, elle est bon. Non, parce que. Non, dans le mangue. Le mangue est déjà aigre. Eh, ça c'est vinaigre, Momo, donne-moi ça. Hein. Mais ça n'est pas aigre. Là, dans la ville, on a le piment vert. Oui. Ouais. Le piment vert. De la Réunion. Après, de la Réunion. Mais ajoute. Les oignons de la Réunion. Les oignons. De la Réunion. Les oignons. De la Réunion. Okay. Franchement, par contre, mon main est propre. Hein. Oui. Oui. Mais dis bien aux téléspectateurs, oui. Fais ça avec prenez un main propre. Oui. Les cheveux propres. Pour racler. Racler. C'est bien. Alors, vous prenez un main propre, après vous raclez. Quand vous avez fini de racler bien le truc, parce qu'il coûte cher. Il coûte cher, coûte cher. Elle coûte cher ou bien coûte cher. Vous prenez même pour vous racler toutes. Après, je mets le mélange et je vais voir un autre petit dernier détail, c'est un soupçon vétine. Mais vétine, pas vraiment pas bon plus, ça c'est vraiment un noix pour dire la mettre. Voilà. Pour dire la mettre, hein. Ouais. Et Nadine là-bas qui prépare le vétine. Hein? Et elle gagne tout comme on nous le tour de la table là pour regarder ça, Jean-Pierre. On a vu ça. Hein? Ça prend le temps parce qu'il fallait battre avec la main. Mais battre avec la main, simplement. Dans le monde, s'il est pressé, il prend la machine. Ouais. Quand le joueur a fait ça pour l'association.
Nous avons là, c'est ça pour l'association des Réunionnais de Paris. Ouais. Il avait 170 personnes, donc tu es obligé d'utiliser machine. Ouais, ouais. Et là, nous fait vraiment une affaire locale. Donc, une affaire locale, il doit être naturel. Ouais. Donc, elle a été bâtie manuelle. Voilà. Non, mais il cherche toujours qu'il rime. Hein, c'est bâtie manuelle. Ben. Hein, c'est pour ça qu'on fait un morceau qui s'appelle la case manuelle. Pas plus que ça. Hein, Jean-Paul, c'est pour ça qu'on a un morceau qui s'appelle la case manuelle. La case manuelle. Là, nous, comme la case manuelle, même là. Voilà. Oui. Comme ils disent, mettre médecine, pour dire à la mettre. Hein. Juste un petit. C'est, ouais. C'est vraiment pour dire où la mettre. Vous la faites mais dans la ligne. Et là, soit nous sommes rendus à Camelan Tonizo. Après, ouais. Tout on a dit comme ça. Ouais. Ou touille. Par contre, tu vas m'emmener un peu de sel. Par contre, on ne va pas mettre de sel. La mettre de sel. Tu vas mettre de sel alors. Après, goûte et s'il manque, ça sent déjà bon. Ça sent bon. Tes spectateurs, ils sont là-bas. Alors, demandez-tu quoi ? Il ne faut pas les couvrir, il ne faut pas l'huile trop, parce que pour notre cholestérol, pour notre affaire. Dans la pomme de sa main. Mais mettre un petit mousseux de tout dans la main de monsieur Fête et Fouani. Il y a tant de disparaît. Ça se fait à cuire. Il y a tant de disparaît. Alors ? Et bon ? C'est vrai ? Bravo. Mais attends, on m'a goûté aussi parce que après, où t'as pris alors, on a parlé, on a épalé. Je ne vais pas dire moi que ça te prend, on va mettre un petit grand piment, un petit peu de tout. Bon. Bon. Alors ce petit côté sucré. Oui, ah oui voilà. Il se mélange avec ce petit côté salé. C'est pas un truc chinois, avec du doux. Viens, on va voir. Parce qu'il avait goyave sec longtemps. À longtemps, il paraît que goyave là, il pouvait être en sec parce qu'il m'a mal été mangé tout le goyave. Ben oui. Alors, le verra quand il arrive. Le verra quand il traîne dans la cour là. Il tombe sur le goyave sec là, il fait vilain. Imagine avoir un billet mousse-cochon. Avec. Jean-Paul. Et donc, la situation de Juan Sambissa remonte pour moi là. Tout ça là, t'es faux aussi. Mais le mouche, il est pas goûté maintenant. En fait, c'est quand même ici. Comment on chante ça? Ok, le mouche. Eh, n'est pas que le mouche. Nous, ça concerne les bons aussi parce que dans le corps, on a des défenses naturelles, on a des bactéries. Et les bactéries que nous avons besoin, le mouche, il n'y a même pas besoin de faire le mouche. Et comment tu chantes le morceau, t'es le mouche là? Ôtez le mousse, là, c'est on, mais il y a des. Où ça pose des six oiseaux. Ah ben, m'a dit des affaires. Bon, hein, ça pas, mange. Dis pas l'autre, parce que Banala, la censure. Oui, il faut qu'on a fait ça. Il faut ça faire après. Ah non, non, il ne faut pas chanter le mousse. Ôtez le mousse, ôtez le mousse, ôtez le mousse, là, c'est on, mais il y a des. Où pose des Simons oreilles, où pose des Simons nez, Simons ventre, mon doigt de pied. Ôtez le mousse, ôtez le mousse, ôtez le mousse, ça c'est on, mais y a des. Ou ça c'est la bouche, un joli fille. Après, on vient si moi, pour moi embrasser. Ah et celle-là, ça n'est pas censuré, ça. Hein dis pas, il pose la bouche jolie fille là-dedans. Ah, dis pas si t'étais bœuf meg. Eh, ça c'est un morceau, t'es customisé. Ben, non, voilà, customisé. Pour la télé. Pour la télévision, elle a mal rimé, ça. Bon, ben, Jean-Pierre aussi. Hein? On fait photo? Jean-Pierre, vous voulez très souvenir ou non? Non, mais il y a bien le. C'est du joli plat quand même. Ouais, c'est ouais. Par amour. Ah, bah avec nous aussi. Mmh. C'est par Loulou et sa femme. Souvenir, parce que voilà. Jean-Paul, tu regagnes. Manque mon terre. Manque mon terre. Manque mon terre. On gagne pomme. Ouais, son invention. Donc, alors, on passe à table. On va se régaler. Bah oui. Allez, bon appétit à tous. Allez. Jean-Paul, mais regarde là. T'as là, n'a pas compris. Ben, toute manifestation, l'association, je t'ai fait là-bas, là, où ça moussa, bon, puis mon tétric à nous, dans là. Ben oui, alors que dans l'association régionale de Paris, il a pris le temps, fait bouillir quoi. Il a pris le temps d'affaire fait bon piment. Donc, t'es où, boîte poids 6,
Et tu t'écrases ahí de bon piment. Bon piment de pois chiche alors. La mappe d'autre, c'est ça, c'est trois pois chiches. Ah, d'accord. Donc la prochaine fois qu'on fait bon piment là, hein, on fait pois chiche. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Le bon piment, c'est avec pois. Mais bonnes oreilles, là-bas, tu connais pas. Oui, voilà. C'est le type de bonnes oreilles. 42 ans là-bas, on connaît. Bien sûr, bien sûr. La prochaine fois, on fait polier avec pois. Les bons alors. Voilà. Après, là aussi, notre menu, décide le. Par contre, ça n'est pas notre association. Alors nous, nous avons fait Nice aussi, c'est la réunion pour faire une association. Mais vous avez des associations, qui, mais ça n'a pas cité le nom, parce que nous avons des comme dans toute ville, chacun est défendu son avec concurrence aussi. Son drapeau. Ouais. Mais nous avons des associations, ils arrivent, ils disent comme ça, au menu, vous gagnez des saucisses, qu'on garde d'autres assiettes, avec vous gagnez chipolata. D'accord. Voilà, que vous gagnez chipolata, ou bien saucisses Toulouse, on vient. Mais nous, nous t'ai fait ni saucisses à Réunion. D'accord. Il y a dit que tu prends un cocktail, tu fais ce cocktail, les saucisses là. Avant de commencer ce geste symbolique, il faut mettre cause avec les téléspectateurs de Canal Austral. Il faut dire aux autres comme ça, je ferme les yeux pour mieux savourer cet instant suprême. Que le service. Nous finis la prière tout, hein. Et là, voilà. Voilà. Un Jean-Paul, je ne t'attendais pas où tellement... à manger un carib chic aujourd'hui. Ben oui, parce que là on a fait un geste qui m'y fait, mais il ne prend pas bon feu parce que par respect du plat, pour ça que la fois, excusez-moi. Le moment que nous venons de passer, pendant toute la préparation de ces plats tropicales, qui dépassent la saveur nationale, intercontinentale, voire mondiale. Parce que là, franchement, caribicique. Et planétorial aussi. Ouais, planétorial. Ah, si. Dans l'univers sidéral. Ah oui. Parce que là, après ça, on a trois affaires les bons dans la vie. Manger, dormir, remanger. Bon, ok, alors. Dormir trois, alors. Voilà, Jean-Pierre, alors. On commence, hein. Là, mon premier bichic de l'année était. Oui. Mais fais un vœu. Fais un vœu. Grâce à Madame Loulou. Oh. Ah, hein. Merci. Jean-Pierre, fais un vœu. Ferme les yeux. Hein, ferme les yeux. Pour mieux savourer sa propre. Là. Vous connaissez quel vœu lui a fait? Salut, Mazalou. Hein. D'accord. Je voulais remercier Loulou et Nadine d'avoir passé un petit moment avec nous. Il fait que manger avec Romane. Et un petit loulou, un petit coucou aussi à Mathieu. Mathieu, d'un bas, là-bas, là, en train de vendre 2-3 sandwichs. Un coucou à vous, Mathieu. Et puis la prochaine fois, au lieu de vendre sandwichs, viens faire du manger ici. Comme bien ça, les sûr que demain, il mangera pas de pain, mais on mange de riz. Au c'est bon. Ok. C'est bon. Et un petit bonjour à tous mes amis de La Réunion, bien sûr, de Saint-Joseph, de Saint-Denis, de Sainte-Marie, de Saint-Clotilde, tout ça, parce que mes collègues regardent à nous. Et puis, ben. Excusez-nous, nous mangeons en premier bichic, mais sois pas jaloux, puis c'est comme ça la vie. Le bichic va monter, va monter plus tard aussi après. Un peu plus tard, hein, d'accord. Voilà, hein. Nous, il est privilégié. Mais bon, alors, ok, Jean-Paul avait un petit message à passer. Et toute la famille Volnay, parce que nous, les 13 enfants au départ, puis les 13 petits-enfants, donc, mais ça n'a pas nombre de noms pour faire des jaloux. Et ben voilà, toute la famille Volnay, nous avons un bonjour et à l'occasion de cette invitation dans l'émission Plaisir Créole. Sur Canal Austral et Piment TV. Canal Austral et Piment TV. Et bonne chapelle en France là-bas. Jean-Pierre Coin, nous avons un joli bonjour. Ah, c'est vrai. Et Loulou, Madame Loulou, merci. Est là. Romane, nous tous, bon appétit. La séance est ouverte pour la dégustation, Stéphane. Et je termine par un mot à la table de M. Jean-Claude, que mon rêve était de jouer avec lui, comme tu vois dans le pays la frais, l'émission, la musique, tout ça là sur le plateau du Canal Austral. Et ben bon, ça va avoir notre quartet. Hier, bon. Était à quartet Sega Compas. Voilà, hier, prochainement. Dans les prochaines émissions à venir, et pour les siècles des siècles et les siècles des siècles, bon appétit, mes amis. Merci.
Et bien voilà, nous sommes dans l'émission Plaisir Créole sur Canal Austral et Piment TV avec Super Carrie Bichik aujourd'hui. Après le petit rougaïmang à côté, mais qui n'était pas un rougaïmang, mais était plutôt un rougaïmang menté, c'est-à-dire des pommes vertes, hein, mais ça avec notre camarade Jean-Paul Volney, qui habite 42 ans en France là-bas et que la bouillie a voulu faire le détour là-bas pour venir un petit coup chez nous ici à l'île de la Réunion pour apprendre à nous un petit peu c'est quoi ce carré de mangue menté. Là, et ben, nous remercions Célie bien, et puis après, Jean-Pierre Boyer aussi, qui a fait plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et tout ça, c'est orchestré, organisé, cuisiné surtout par Nadine et Loulou, Miss Nelda. Hein. Et puis après, Naroman aussi était avec nous aujourd'hui. En tout cas, nous dit tout le monde merci bien. Hein. Merci. Et merci. Nous t'es tout plaisir créole. Et bien, comme plaisir créole, nous ne peut pas attendre mieux, non? Il n'y a pas de mots. Comme la pointe de mots. Et puis en plus, le zoo volaille aussi, quand on a fait les bons tours là. Même le zoo volaille est bon. Ok, ben nous retrouvons. Ok, merci. Allez, au revoir. Attends, reviens. Il se tient de dire un petit bonjour, madame. Allez, les malades en ce moment. Oui. On a un grand respect pour elle. Ma patrie a ramassé deux feuilles calopinées dans sa cour. Et il y a Doniela et Jean-Claude. Elle y a mis que depuis son nom. Elle va, excusez-moi, parce qu'elle regarde ça. Mais là, en ce moment, mais monsieur est en train de regarder. Mais oublie ton prénom, pardon, et ma passe un message. Ok. Là, un gros bisou pour madame là. Calix, si vous voulez pas là, débrouillez-vous. Non, je vais pas donner un nom, madame Canoupilé. On va reconnaître où, le juste. Non, pas y'a pas de l'usine grand bois. Madame Canoupilé, dans la cour, nous l'a bien mangé. Madame Canoupilé, dans la cour, nous l'a bien mangé. Dans la cour, nous l'a bien mangé. Madame est calopilée dans la cour, nous l'a bien mangé. À nous tous à quel prix, ok? Allez! Non, mais Jean-Pierre Boyer, c'est une petite chanson, n'offre pas le flair après qu'il soit trop tard. Il a mis lancé un message pour des certaines personnes, pas pour des certaines personnes, pour le monde, pour les rayonnais en particulier. Laisse pas une vieille personne abandonner. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est la vérité. Hein? Et la chanson de Jean-Pierre Boyer, il reflète ça bien. N'attend pas de fermer les yeux pour lui offrir des fleurs. Jean-Pierre, tu t'as capé là pour nous, c'est moi-là. Voilà, Jean-Pierre, s'il te plaît. N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui offrir ton cœur. N'attends pas qu'il soit parti pour dire que c'est ton ami. N'attends pas qu'il soit parti pour dire du bien de lui. De lui. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.